le retour. Et franchement, tente. Et s'ils veulent pas, tu négocies, tu baisses. Ok. Tu tentes. S'ils veulent pas, Ouais, s'ils allez, on va disent faire ça. c'est cher et tout ça, s'ils disent rien, ils vont payer. S'ils disent c'est cher, bah tu négocies, tu vois. Par contre, moi aussi, j'aurais besoin de manger. T'es Franchement. juste à côté de mon. Tu peux venir à mon taxi, s'il te plaît? Ouais. Prendre des Franchement, coups des nouilles. j'ai bien vendu des Attendez, nouilles à s'il vous plaît. 400 $. Je vais prendre des nouilles. Ah, madame, si vous auriez des nouilles, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, vous voulez à manger? Vous tombez bien, j'étais en pleine livraison. Vous me donnez combien là? 100. Oh. Je viens de me dire $30? que c'était. C'est pas cher là. Non, Hein, 100 euros. ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. 100 euros. Ah, les nouilles, c'est de Co qualité. tu connais les prix, toi. Sauf que Bah oui. j'aurais voulu te faire payer plus cher, fuyez. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée, Bonne monsieur. Bon soirée. courage en taxi. Merci à vous aussi. Faites attention. Voilà. Oh merde. Ah, mais c'est fumé parce que je voulais te faire payer plus cher. T'as direct $100, toi. Enfoiré, va. Je voulais te faire payer $200. Hey, tu sais quoi? Juste derrière ta voiture, en fait, il y a deux machines. Non. Si, regarde. Il Il croit. y a ma machine qui est là. Et il y a la Ah, machine à bisounours qui est en face. Regarde. ok. En fait, on a le monopole, moi et bisounours. Il est parti ou alors du coup le. On sait pas. Et bon, je crois que j'ai mis moins cher que bisounours. J'ai fait exprès. J'ai mis plus cher que bisounours. T'as mis à combien ton pourcentage, bisounours, ta boîte? T'en rappelles plus? Dans 25 et 30, un truc comme ça. 25, 30. Et je vais mettre plus alors. Je vais mettre un petit peu plus. Il est en train de lui gueuler dessus pour lui dire où on était. Comme ça, si les gens ils font pas gaffe, ben tant pis pour eux. Si les gens ils font gaffe, ben, ils iront à ta machine, donc on est tout bénef tous les deux. Mettre à 35. Par contre, je vais aller voir l'autre à combien que. L'autre à 94 pour les pâtes. Et l'autre machine du restaurant. Ah voilà, 108. Allez, encore plus cher. il voulait pas Bonjour, 100, monsieur. du coup je fais 200 par personne. Que voulez-vous, Bonjour. monsieur? Vous avez besoin de vie? Non, tout va Vous bien, avez monsieur. besoin de vie? Tout va bien, tout va bien. C'est bon, Merci. merci. Merci à vous, Tiens, monsieur. une fois que t'auras fini, viens voir ce que j'ai fait. Ah, j'arrive Parce que pas. les gens me saoulent un peu en fait. De me dire à chaque fois comment on fait. Regarde. Pour payer en liquide, mettez-vous face Je me suis à la remboursé tes caisse nouilles, mon et gars. appuyez sur le bouton. Ouais, bah ouais. Parce que Après, les gens, tu ça fait pas trop RP, mais bon, vois. c'est pas Il y en a grave. Les gens qui me sont donne un tellement pourboire gogol que, que. ouais, voilà. T'aurais dû mettre la caisse jaune par contre, écrire la caisse jaune. Parce qu'ils vont, comme des cons, tu sais, il y en a qui donc cons, ils vont se mettre là. Tu vois le truc? Tu peux le modifier comme tu veux, ça. Je viens de me faire quand même assez d'argent là. Ils t'ont payé 500? Non, ils ont pas voulu 500 mais 200. Donc alors, je t'explique, il y en a deux qui m'ont payé 200, il y en a un qui m'a payé 380. Non mais j'avais dit 500, c'est pour tout le groupe, moi. Ah ouais, mais j'ai dit 500. Non, non, ils voulaient pas. Donc en fait, t'as gagné plus. Oui. Lol, ils sont trop cons en fait. Psst. Bon, bah tant mieux pour toi, GG, bien joué. Ah bah merci. Parce que moi j'avais dit 500, mais pour tout le groupe, ils en fait, voilà. Je crois qu'ils ont dû comprendre 500 pour chacun. Ils ont dû Je crois comprendre ça. aussi qu'ils ont dû comprendre ça. C'est pas grave, GG, bien joué. Merci. Il y en a un, et toi, normalement, il allait me donner 200, et il me dit, je vous donne un petit pourboire, parce que vous avez dû attendre. Je lui dis, ah bah merci, hein. C'est cool. J'ai joué, gars. J'ai joué. Alors, c'est ouvert là, enfin, la banque ou pas? Ah, ça a l'air. Ça va bien? Ouais. C'est ouvert ou pas? Oui, c'est ouvert. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah. Bonjour, monsieur. Chaud. On peut déposer? Ouais. Vous pouvez déposer vos prompteurs. Ouais, mais
Il faudra qu'on puisse passer, monsieur. C'est bien 500 dollars, c'est ça? Ah, c'est par là. Les prix changent, boss. Attendez, monsieur. Je laisse passer le monsieur avant. Bah oui, il faut laisser passer. De toute façon, il n'y a pas l'espace pour... J'aimerais déposer un gold printer. Ça coûterait combien pour le dépôt? Faut consulter avant de venir. Il est marqué où, monsieur? Mais tous les printers, c'est tous le même prix en fait. C'est 500. Tous les printers sont tous les mêmes prix, madame. C'est juste ça. D'accord. Voilà, donc c'est 500. Excusez-moi, monsieur. Ah, c'est 500. Putain, la question c'est tout. C'est combien en fait le printer 500, normal 500. 500. Bah, vous inquiétez pas, mon collègue vient de vérifier, monsieur. Il est marqué 500 dollars les printers normales devant. Le monsieur, il est passé avant moi. Le monsieur, il est passé avant moi dans la file. Pardon, non, mais je dois venir avec lui. Il m'a demandé de venir. Monsieur, vous pouvez entrer là. Monsieur, dans la file d'attente, si vous voulez. Voilà, entrez là. On serait pas sur jumelles, bison? Non, non. Monsieur, l'argent sera directement mis sur mon compte bancaire, enfin sur moi, on est d'accord. Oui, tout simplement, monsieur, ça sera au banquier par contre de récupérer l'argent. Moi, je peux pas le récupérer pour le banquier, mais sur vos printers et il ira directement dans votre compte, bien sûr. Il prendra, je pense que c'est une taxe de 10%, mais c'est pas énorme. Donc, passe tout à votre place que je découpe. Bon, c'est le conseil VIP, ça coûte 1 500 $, monsieur. Ben, mais c'est. Ne vous en faites pas, je m'en occuperai à distance. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Ça serait pour déposer un printer, monsieur. Ouais, ben, on attend que l'autre personne ait terminé et je vous fais rentrer. D'accord. J'attends ici. Pour éviter tous les problèmes, une personne à la fois. J'attends dans le coin, comme ça je dérange personne, monsieur. Le problème, c'est qu'on est dans le passage. Faites attention, il y a un monsieur qui est passé derrière vous, là. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Sortez. Ok, monsieur, il y avait des personnes avant vous. Non, votre vous êtes collègue, pas chez là, vous, il me connaît. Mais il me connaît, votre collègue. Bah, vous demandez lui. Lui dire bonjour. Vous lui direz monsieur, vous attendez dans la file d'attente, s'il vous plaît. Non, moi je veux passer. Monsieur, vous attendez dans la file d'attente, s'il vous plaît. Vous attendez comme tout le monde. Laissez-moi passer, je veux voir mon collègue. Monsieur, vous n'êtes pas manqué, donc vous n'êtes pas de collègue. Pas possible, en fait, Tim, oui. Enfin, je vous le dis à tous les deux. Le truc VIP où il est mis rien à faire, en gros c'est on paye 1 500 et on en fait c'est eux-mêmes qui mettent tous les trucs dedans et tout. Ok, et normal c'est quoi? C'est nous qu'on met? Normal en fait c'est toi-même qui va devoir t'en occuper, donc faire par le téléphone, leur mettre les trucs. Ah donc il s'occupe de rien le banquier? Ouais bah autant prendre les payer 1 500 et il s'en occupe. Non mais j'ai pas VIP. Non mais c'est pas VIP, c'est le pack en fait. En ah, gros ça veut ah dire, ouais c'est un pack VIP. C'est eux-mêmes qui s'en occupent. D'accord. Il t'expliquera mieux au pire. D'accord. Là il occupe avec le mien. Monsieur, veuillez sortir de la file d'attente, ouais, monsieur. Je sors par bonjour. Je vais sortir des sous de la banque gouvernementale. Bon, et monsieur, sortez là parce que vous bloquez le passage. Je vais pas vous dire de... Je veux pas... Oui. Vous sortez maintenant. Mais je veux passer pour les bons, ok? Moi je serai vous, j'appellerai la police. Okay. Allez, vous sortez. Je te rapporte au... Recule-toi. Range-toi. Il vient, salope. Oh, il t'a dit salope.
Bah alors t'as peur hein, mais c'est mais l'homme. Pardon. Vas-y à toi. Faudrait que je me permette un petit. Tu peux venir monsieur? À moi monsieur. C'est ta team. À moi monsieur. Vas-y, je laisse. Voilà. Je laisse pas tout avec le banquier. T'es là? Je crois que t'as un client. Il y a 4 flics. Monsieur banquier? Oui, un truc caché. Je vois sa petite tête. Bonjour monsieur le banquier. Bonjour madame. Non mais c'est de ma gueule les gens là. Alors ça serait pour déposer les printers s'il vous plaît. En modèle VIP. D'accord, ça je vais faire ça prend $1,500 monsieur. 1500 c'est bien ça? Oui c'est ça monsieur. Je vous donne ça tout de suite. S'il vous plaît, juste aller dans la salle d'attente. C'est pas une fille, c'est juste pour passer. Si vous pouvez aller dans la salle d'attente s'il vous plaît par mesure de précaution. Monsieur, on fait pas tant de demeure quand même. Excusez-moi, hein, il y avait des clients avant. Bon, je peux pas aller plus vite que la musique, monsieur. Excusez-moi. Allez dans une autre banque. Ouais, merci monsieur. Vous avez eu mon printer, monsieur? Toujours plaisir. Pardon, madame. Pardon, s'il vous plaît. Monsieur, vous n'avez pas vu dans votre printer? Bah en fait j'ai pas lancé, c'est qu'il est tombé de ma poche en fait. Désolé, il est tombé de ma poche monsieur. Et vous avez l'air d'être bien à l'étroit là. Je suis à la porte monsieur. Bah je suis désolé, je suis mademoiselle. Je suis une femme. Je sais que ma voix elle est un peu grave, mais je suis une femme, monsieur. Excusez-moi, madame, allez à votre droite. J'ai oublié de vous demander si vous saviez à quoi. À droite, c'est un mur, monsieur. Deuxième droite, à deuxième gauche, excusez-moi, de l'autre côté. Venez voir. Voilà. À droite, c'était un mur. Comme ça, vous pouvez voir notre sécurité au passage. Très joli, très joli. Ça a l'air d'être très efficace. Donc là, en fait, tout, vous occupez de tout, c'est ça? En tant que VIP, oui, monsieur, on s'occupe de tout. D'accord. On reçoit l'argent directement sur notre compte, c'est bien ça? Tout ira directement dans votre compte, monsieur. D'accord, bah je vous remercie. Pas très très bel truc de sécurité. De ces trucs de sécurité qu'il nous a fait le gars. S'il vous plaît. Vous pouvez attendre juste là sur le canapé. Parce qu'ils sont pas très bon état, on en trouvera mieux d'autres. Excusez-nous. Mais en fait, c'est jusqu'à temps qu'on déco la boîte. Non, jusqu'à ce temps que eux déco ou que toi déco. Ouais voilà. Après ils la garderont peut-être pour eux se faire de l'argent ce qui déconne. Ok. Je sais pas, hein, c'est en fonction, mais moi c'est ce que je ferais par exemple. Ne la cassez pas s'il vous plaît. Merci. Non ne vous inquiétez pas monsieur. Non j'ai eu très peur. Putain les mecs ils ont des blocs en or quoi. Il n'y a pas beaucoup de place pour les poser. Elle n'est pas grande non plus la banque, je trouve. Ouais. Mais vu ce qu'ils ont mis dedans, tu verras par toi-même, c'est énorme. T'as sorti, madame ? Ok, bah je vous remercie, monsieur, et au revoir. Il n'y a pas de quoi, madame, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Printer qui a explosé. Non. Non, en face. Ouais, j'ai eu peur. Vendeur d'armes. Merci beaucoup, alors, monsieur. Voilà. Je me suis fait un pote mafieux. Excusez-moi, j'ai dû peut-être vous foutre un coup sans faire exprès, sans bug. Non, non, ça allait, ça allait. Bonne journée. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Merci. Merci.
les données dans notre établissement. À vous de tour, madame. Voilà, j'ai mis un petit printer de 1000.